Ben, c'est vrai que l'élevage en particulier et l'agriculture en général ont subi quand même une crise sans précédent. Et donc, ça pose de gros problèmes de trésorerie dans les élevages. Et on n'a pas trop d'avenir non plus dans nos projets, quoi. Voilà. Bon, ce qui est inquiétant aussi, c'est pour l'avenir des jeunes, donc, puisque mon fils en fait partie, et ça m'inquiète quand même un peu. Et on voudrait quand même des perspectives de marché plus que ce qu'on a aujourd'hui. Normalement, on arrive à s'en sortir, on essaye de valoriser au mieux nos produits. Et puis donc par la génétique, donc comme aujourd'hui, en faisant de la génétique, on valorise un peu les reproducteurs, ce qui apporte un plus sur le résultat final.